Bonjour, je suis Arnaud Vacheron, éditeur du magazine Métal Industrie du site machine-outils.com. Jean-Marc Siqueiro de Fronius explique les objectifs du logiciel de documentation et d'analyse des données WeldCube. Bonjour et bienvenue chez Fronius France. Je vais vous présenter la solution Weld Connect WeldCube Fronius. Donc, le logiciel Weld Connect WeldCube Fronius est une solution qui va vous permettre notamment d'avoir vos générateurs de soudage Fronius en réseau, ancienne et nouvelle génération TPSI, connectés à votre réseau d'entreprise et qui vont générer de la data de soudage à votre administrateur réseau ou administrateur soudage pour suivre la qualité et les différents événements autour de votre production de soudage. Comment cela fonctionne? Donc on a une interface qui est une interface graphique, très visuelle, avec des icônes, des raccourcis, très intuitive, qui va nous permettre de naviguer dans différentes fonctionnalités. Donc ici, notamment, le nombre de soudures réalisées. Donc on va pouvoir également connaître l'historique du générateur connecté, les différentes phases d'utilisation, les temps d'utilisation, ses mises à jour. On va pouvoir également connaître son emplacement dans l'atelier pour la maintenance où il y aurait un grand parc de machines. C'est important de savoir où se situe le générateur. On va pouvoir avoir accès à ses paramètres de soudage, c'est-à-dire qu'on va pouvoir paramétrer, modifier, corriger ou voir même l'historique des modifications à distance sur chaque générateur de soudage. On va également avoir un visuel très graphique concernant le résultat de soudage. Au démarrage, au soudage et à l'évanouissement de la soudure, on va avoir la suivi et l'acquisition des données de soudage qui va nous permettre de contrôler la qualité et de fixer les limites de ce qui est acceptable ou pas. On va également pouvoir suivre les composants et les numéros de série des pièces, c'est-à-dire qu'on va pouvoir affecter un paramètre de soudage à un cordon sur un modèle de composant avec un numéro de série. Ainsi, le client dispose de l'historique global de sa production par rapport à ses numéros de série. Ainsi, après une soudure réalisée, on peut avoir immédiatement le résultat de soudage de façon graphique et voir si les paramètres de soudage reçus correspondent aux paramètres programmés et voir ainsi s'il y a une dérive. Et donc tout de suite informé de la qualité de la soudure. On sélectionne la dernière soudure et on va voir de façon graphique si les paramètres sont au vert, on a respecté les conditions de soudage. Si les paramètres étaient au rouge, on aurait dépassé soit l'intensité, soit la tension ou soit d'autres paramètres qui sont contrôlés dans le système de contrôle. Retrouvez nos actualités quotidiennes sur les machines-outils, logiciels, outillages et services sur le site internet du répertoire de la machine-outil, machine-outil.com, tout au singulier, et n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn.